Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto. Alors, c'est vraiment très simple à faire et ça, c'est pour maman. Maman m'a demandé de lui faire un petit tuto pour une feuille, vraiment très jolie pour décorer ses sacs. Car maman, elle fait aussi du crochet et c'est elle qui m'a appris. Aujourd'hui, on va le faire. Vous allez voir que c'est un rang de répétition et on peut l'agrandir. On peut travailler avec n'importe quel fil, n'importe quel crochet. Tout dépend de la grosseur de l'ouvrage. S'il est grand, on travaille avec un gros fil, un gros crochet, ou bien tout simplement prendre un fil qui est fin. Celui-là, il est plus fin que le premier et l'agrandir avec des rangs. On commence tout de suite. Alors, pour une feuille, on va avoir besoin d'à peu près 2 grammes de fil. Alors, prenez du coton, de la laine, tout dépend de votre ouvrage. Moi, j'ai pris ce fil qui se crochette entre 2,5 et 3,5. Et là, je vais prendre un crochet 2,5. Je veux que ma feuille soit un petit peu plus petite. Aussi, il y a les fils qui sont plus fins, pardon, satinés, des fils avec l'urex. On peut utiliser ce genre de feuilles pour faire des boucles d'oreilles. On va accrocher juste un anneau ici et l'attache. Vraiment très sympa. Une paire de ciseaux, une aiguille pour faire rentrer le fil. On va commencer par faire 12 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, le nœud coulant, je le compte pas et je fais 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles en l'air pour commencer. Mon premier rang. On va sauter la première maille. Dans la deuxième, on va prendre seulement ce brin, le brin arrière, et on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième, jusqu'à avoir 10 mailles serrées. 10 mailles serrées. Alors, il nous reste une maille. Dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées et on va tourner et travailler de ce côté-là. La dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. Une, je reviens. Une deuxième, je reviens. Une troisième. Et je vais profiter pour cacher en même temps le bout de mon fil. Là, on va juste sur le brin qu'on a laissé, on peut le voir là. On peut travailler nos mailles serrées maintenant pour revenir au début. Et là, après les 3 mailles serrées dans la même maille, on va faire 9 mailles serrées. Je viens là, je prends aussi un seul brin et je commence une à côté, deux, en même temps je suis en train de cacher mon fil. À côté, trois, oui, quatre, cinq. Six, sept, huit et neuf. Neuf mailles serrées. Je vais venir ici, je vais couper le fil qui reste. Voilà.
Et voilà notre premier rang. Mon deuxième rang, et c'est un rang de répétition. On va répéter le deuxième rang jusqu'à avoir la bonne taille. Une maille en l'air. On va tourner. Maintenant, il faut travailler seulement sur le brin arrière. La maille, en ces cas-là, deux brins. On va prendre seulement là, le brin arrière. Et on va faire ça pour tout l'ouvrage. On tourne. Ça, c'est la maille en l'air. Et ça, c'est le début. C'est ma neuvième maille serrée. Je vais prendre le brin arrière et je vais commencer mes 10 mailles serrées. Une. À côté, 2, 3, toujours le brin arrière, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur la suivante, elle est un peu penchée. Sur la suivante, celle-là. Dans cette maille, le brin arrière, on va faire 3 mailles serrées. L'augmentation sur cette maille. 2, le brin arrière, et 3. Et là, on a augmenté et on peut tourner facilement. La suivante, je vais reprendre mes mailles serrées individuelles et je vais faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. On a terminé notre deuxième rang. Et ça donne ça à chaque fois. Et on va répéter le deuxième rang jusqu'à agrandir la feuille. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne. Et on va répéter le deuxième rang. Je viens sur la première maille serrée, le brin arrière, et je commence mes 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées. Sur la suivante, le brin arrière toujours, on va faire notre augmentation pour tourner 3 mailles serrées sous la même maille. 1, 2 et 3. Après les 3 mailles serrées, on va faire 9 mailles serrées individuelles. Toujours le brin arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, déjà on commence à voir la feuille. On peut les faire comme ça petites, on peut les agrandir. Ça, c'est mon troisième rang. On peut compter 1, 2 et 3. Mon quatrième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail et on va aussi répéter le deuxième rang. Sur le brin arrière, je commence mes 10 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur la prochaine, 3 mailles serrées dans cette maille et sur le brin arrière aussi. 1, je reviens. 2, je reviens dans la même maille et 3. Après les 3, on fait 9. 1, 2, je dois libérer mon fil. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et c'est ça notre schéma, c'est ça notre répétition, c'est le deuxième rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on commence par 10 mailles serrées. Une augmentation de 3 mailles serrées sous la même maille et toujours dans le brin arrière. Et on termine avec 9 mailles serrées. Et on répète jusqu'à agrandir la feuille. Quand je vois que c'est bon, j'ai terminé, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On prend une aiguille à tricot. Et on cache le fil. Je vais essayer. Voilà. On vient et on va essayer de le glisser sous les mailles, comme ça, pour le cacher. J'ai du fil. J'ai loupé un brin, je vais refaire. Je reprends. Alors, on est sur le côté envers de la feuille. Hein. C'est ça mon dernier rang. Sur le côté envers, je vais cacher le fil. Voilà. Et je coupe. Et voilà notre feuille. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, maman, à réaliser, à continuer, à terminer ton ouvrage. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!